Bien le bonjour tout le monde, c'est Shookie0031, donc on se retrouve dans cette pièce où on s'était quitté, pardon, dans la précédente vidéo. Donc on est toujours en fait dans le magasin, si vous voulez. Donc on est ici, dans cette pièce où il y a un matelas ensanglanté par terre et où sur la porte que l'on vient de franchir, il y avait écrit vivant à l'intérieur. Donc il y a une photo ici, je vais regarder ce que c'est sur cette photo. On va voir s'il y a notre cher ami Lee, qui est à gauche apparemment. Eh oui. Ah oui, forcément. Ah. Il s'aime pas. Oh là là. Après tout, une photo des propriétaires. Juste une photo. Je sais qui tu es. Oh là. Ça... You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? Putain, c'est l'apocalypse, peu importe. Who cares who I am? If you don't think people will find any reason to turn on you, especially when the shit hits the fan, you're insane. Whatever. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Thanks. Bon ben voilà. Don't worry about it. Bon, c'est un petit peu chaud à lire, ça va vite, c'est chaud, c'est chaud. Attendez, il y a peut-être d'autres choses à regarder. Vous voyez, là il y a une petite mallette, caisse de premiers soins. Attendez. Premier soin. Oh, hop. On va directement ouvrir les objets plutôt que de les regarder. Bon, ça, regarde un petit peu en l'air, on regarde sur le côté, tiens, qu'est-ce qu'elle est... Elle nous a suivis. As-tu des nouvelles de Glenn? Ok, très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Regardez, il y a quelque chose ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, qui est bon. What's that? This was my dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. Oh merde, je croyais que c'était un bâton pour taper les zombies. Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool, like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. Ok. Là, il y a quelque chose. On va s'occuper de cette porte. Bien évidemment. Oh là là, cette tête. Ça veut dire... Enfin, elle avait une tête bizarre. Okay. Comment ça va? But I think it'll be okay. Okay, here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? Qu'est-ce que font tes parents? Pas la peine d'en parler maintenant, tu fais du sport. What do your parents do? My mom is a doctor and my dad is an engineer. Those are good jobs. What's your job? I teach history and writing and things like that. Like social studies? Yeah, like that. You didn't answer my question. Oh la vache, elle est revenue là-dessus. Right, a little further. Why don't you want to talk about your family?
Do they, like, hate you? J'espère que non. C'est compliqué. Je ne leur en voudrais pas. Non. Attendez, qu'est-ce que je peux répondre? Non, ça va, on a du temps, là. Du coup. Bon, parce qu'ils sont morts, tiens. T'avais qu'à pas me parler de ça. Because they're dead. Oh, I'm sorry. You didn't know. I'm just sorry for being mean. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. J'ai eu des ennuis, mais garde-le pour toi. Je ne suis pas méchant. J'ai tué quelqu'un. I got into some trouble and I didn't talk to him for a while. This used to be their store. But let's just keep that between you and me, okay? Okay. Because of the trouble? Yeah, that's right. Now, let's get this done. Voilà. Donc en fait, ce que j'aimerais bien quand même... Parce que là, ça fait quand même... Oh la putain, elle s'est pété l'ongle! I hurt my finger. Is it bleeding? A little. Allez, c'est l'heure de faire un bandage. J'ai envie qu'il y ait des zombies un peu. Je suis sûr qu'il y a des bandages ici. Non, il y a une télécommande, ça sert à rien. Attendez, peut-être qu'on peut trouver des... C'est verrouillé. Il faut trouver... La clé, bordel de merde. Alors, attendez. Donc la caisse à outils, là, il y a bien évidemment rien. Si, bah si, il y avait un petit pansement, allez, une connerie. Voilà, c'était évident. Tiens, il y a quelque chose là-haut. La télé. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? Ils nous retrouveront. Je pense pas qu'ils le feront. They'll track us down. Don't worry. Don't worry. Okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? Alors, regardez. It's the remote to my dad's TV. Allez, prends la télécommande. C'est bien. On veut des zombies. Let's have a look at that finger. Oh putain, tu te l'es pété, mec. Let's see if we can do something about it. Does it hurt when I do this? Ah! Not too much. Pas trop, speed. Bien sûr. Yeah. Allez, un petit pansement. Let's get this cut covered up. Yes, please. Et voilà. Compétence médecine plus 10. Bon alors, nous il faut qu'on retrouve la clé. Bon tiens, on va voir ce qui se passe un peu. That's what I figured. Ah bah bien évidemment, il n'y a plus rien à la télé, mais qu'est-ce que... Attendez, il y a peut-être quelque chose. Ah là là. Bon. Il faut que... C'est quoi ça? Okay. Attendez. Bon là, on est d'accord, il n'y a plus rien dans la boîte. Luckily, there's nothing I need in here. Bon, ça, là, il faut une clé. Ok, bon, écoutez. On va retourner là-bas. Wanna head back into the drugstore with me? Ok. Parce qu'on doit... Yeah. You're not bad, right? Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Faut dire oui, là. Faut dire oui. Oui, il était. Après tout, c'est la vérité, hein. And you had to protect yourself. That's right. Oh, ok. Il était... C'est bon. Faut savoir mentir des fois, hein. Fuck. Bon allez, faut trouver une clé maintenant. Bon alors, on a des barres énergétiques. Oh putain, faut parler aux gens. Tiens, si on va lui donner une barre énergétique, on va voir ce qu'elle veut dire. Peut-être qu'elle va m'envoyer chier, tu sais. It's not much, but here. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's
really sweet. Don't mention it. Très bien. On en a une autre ici. C'est cool ça pour eux. Les gens sont contents quoi. Oh bordel, ça y est. This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Super. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. C'est pas journaliste qu'elle aurait dû faire, là. Bon allez, c'est parti, on se casse. Attendez, faut que je lui parle. Hey there. Hi. Mais bonjour 420, voilà. Je peux te rapporter quelque chose. Comment va ton doigt, tiens. How's your finger, Cleo? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. C'est bon. We'll sit tight. Okay. Alors, bon ça on l'a déjà vu, blablabla. Là on peut pas passer. C'est où qu'elle est la porte d'entrée de ce truc? Donc là c'est pas par là. Tac tac. Oui ça on s'en fout. Quelque part on s'en fout de. Donc carte de vœux on s'en fout. Photographie. Ok, très bien. Tiens, il faut voir lui peut-être. I'm not suicidal yet. Bah, ici. The gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh. Allez, viens, on y va. Sure. Let's go have a look around. Depuis tout à l'heure, on tourne en rond. We'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary noises. Agreed. On va pouvoir étudier ces monstres. Après, faut aller voir la gonzesse pour lui dire bon, bah, allez, on y va. Do Jesus. Ah, c'est dégueulasse. Just eat. As far as I can tell, it's all they care about. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back as one of them. I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. D'accord. Pourquoi une télécommande, à quoi ça sert? Did you guys try to get in there and get weapons? Ah ouais. I did, but it was too risky. Then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. D'accord, très bien. That place is full of TVs and electronics. Non, ça sert à rien. On va éviter les fortifications job over there. Yeah, it didn't work. Super. Pourquoi je peux faire la photo là, je comprends pas. Can you be sure? I found this in the office. That boy. Ah, putain. The keys being on him is as good a bet as we could make. Yeah. C'est pour ça qu'il a arraché sa gueule. C'est son frère en fait. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Oui, on va allumer les télés qu'il y a là. Ça va être super. Ça va être genre l'animation du jour. Qu'est-ce que c'est ça? Open sesame.
was kidding. Ah d'accord, ok. Ça a fait peur. Alors là, on va... Regardez, ça va être super. 3, 2, 1... Universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Ça va être chaud. Oh bordel, ça y est. On va pouvoir aller chercher les clés. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Huh? En fait, ils s'en battent les couilles. Là, on est foutu, ça y est. En fait, il faut un pistolet, quoi. Bon, ben, y a rien à faire, hein. Des trucs comme la télé, comment tu... Tu vas trouver rentrer. Ah, plus de bruit. Bon bah, c'est baisé. On va aller voir de toute façon la gonzesse là, et on va lui dire, bon bah c'est l'heure de partir, chérie. On rentre à la maison. Tiens, allez, on y va. Tiens, on lui donne une barre de chocolat. Le mec il donne des barres de chocolat à tout le monde. She might, I suppose. Yeah, give it to her. I can take care of myself. Enculé, ça, la fille refuse ça, mais putain, en fait, elle est conne. Elle. Faut faire gaffe, oui, faire gaffe. Bon, allez, tiens, je vais lui donner à la féfille. How can I with those things out there? Mais merde, elle est où? Parle à Carly. Mais bien sûr qu'il faut parler à Carly. Bah, où la féfille? Merde, elle est où? J'ai perdu. Elle est là, ça y est. Ah, celui-là, j'ai du mal à me repérer dans le... Ah, mais merde! Non, 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 je veux pas lui parler. Hein, je peux te rapporter quelque chose? Voilà, là encore, on peut faire. Allez, tiens. Oh, mais super, l'autre, elle m'a pris... Bon, bah, elle ira se faire foutre, hein. L'autre, elle lui dit non, j'ai pas envie, j'ai peut-être... Donne-le à ta fille, là. Et en fait, elle le prend. Bah, bon, c'est parti, on y va. Prête à partir, tu te débrouilles bien. Allez, tu te débrouilles bien, tiens, là. Non, pff, allez, on se casse. Ouais. Let's go. Ça y est, enfin on va y avoir un petit peu d'action après avoir tourné en rond pendant 400 ans là parce que je veux parler à tout le monde. Get down! Oh, qu'est-ce que c'est ça? Vas-y, si tu tires, ça va faire trop de bruit. Faut faire gaffe! Did you see that? Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked, and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. Ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Elle a une grosse tête, je trouve, par rapport à son corps. Ok, d'accord. Donc là, on peut regarder, mais en fait,
Regardez, il y a une hache là-bas. Par contre, le mec qui est sur le mur. Avec la hache, on va pouvoir refaire le monde. Jetons un coup d'œil. Regardez. Alors, là, il n'y a rien. Regardez par-dessus le mur. Regardez trop longtemps, vous savez. Hop là, d'accord, ok. Très bien, très bien. 3. Ah, et quoi là-bas? On peut se cacher derrière le Yampinga si on est discret et qu'on reste baissé. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? On peut se cacher derrière ce pick-up. Attendez, je regarde. Attendez. Putain. J'essaie de voir ce qui lui là-bas. On peut pas. Bah fais chier, j'ai appuyé pour Bon. Allez, sortir, on y va. Bordel, on peut pas le faire. We're a little naked out here, except for Carly's gun, and we can't use that much. I'm not sure I can take them. Ok, donc on va repartir de l'autre côté. Chut, chut, chut. De ce côté, c'est pas possible. D'accord. Allez, on va de là-bas. Oh l'enfoiré. Ok. Ah, peut-être qu'il y a une barre en fer. Eh ben vas-y, regarde. On pourrait faire quelque chose avec cette voiture, je parie. Merde. Attendez, chut. Oh ben super. Super. Allez, on casse. J'en ai marre de fracasser. Quel enculé. Et on fait comment alors? On peut pas ouvrir la porte. Fais chier. Comment tu vas suivre après de la voiture sans tirer? Oh. Donc en fait, si je vais là, ça montre que ça. Attends. Si je vais là. Et qu'ensuite je fais comme ça. Non, ça me fait revenir en arrière. D'accord, ok. Donc que j'aille en haut, vers le haut, vers le... Putain, ça fait chier, je sais pas comment faire. Hein. Avec ça, on va. Bon, vas-y, faut le prendre. On va peut-être péter le. Ouais, ferme ta gueule, salope. On va casser la vitre avec ça. Vous allez voir, c'est super! Allez,
Allez, c'est parti. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise, and none with pillows. I'm done trying to punch out a window. Allez. What are you gonna do with that? Putain, je croyais qu'on pouvait péter la vitre avec ça là, sans faire de bruit, moins de bruit du moins, tu vois. Bon, on a ramené un oreiller, donc on peut évidemment faire quelque chose avec. Ah, oui. Sortons. Super! Non, ils ont rien entendu, c'est bon. L'autre, elle a des algues sur la tronche. Ok, 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 ok. Ok. Y'a quoi là-dedans? Oh, un boulon, une bougie. Ok, d'accord. Allez, on pousse. Ah ouais, faut le bloquer. C'est bon, il s'en bat les couilles. Très bien. On peut toujours pas ouvrir ça. C'est évident. Non mais là il faut qu'on aille chercher... Merde. Attendez. Il faut qu'on aille là-bas. Maintenant on va pouvoir tuer les autres avec le coussin et le truc. Ok, très bien. Allez. On y va. Là, celui qui est sur le côté, on va pouvoir le tuer. Merde. Oh, fais chier. C'est la panique. Ah. Eux, ils sont toujours là-bas. On peut se cacher derrière le pick-up. Ouais, bien sûr. C'est une évidence. Mais ensuite, on fait quoi? Vas-y, t'as pas ton... Vas-y. Occupons-nous de cela ensuite. Putain, il faut qu'on réussisse ça. Oh, regardez! D'accord. Fais voir. Ah là, ils ont entendu là. En fait, ils s'en bat les couilles. Super. Là, on a quelque chose qui va nous servir. Allez. Allez, c'est génial. On va pouvoir les tuer enfin. À chaque fois, lui il a le dos tourné, donc je me dis quelque part on peut lui poignarder dans la tête. Allez, c'est bon, là on a une arme, ça y est. J'y dirais maintenant. Ah, mais non, mais la tête. Voilà, la tête, la tête.
Non, mais non. Voilà. La hache, s'il te plaît, la hache. Vas-y, tape-le dans la tête. La tête. Oh. Oh, il l'a enfoncé jusqu'à la poignée, le. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? L'autre qui vient péter l'ambiance, quoi. Ah. Two more. That should help. Allez. Là, on va s'amuser. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Allez. On y va. C'est l'heure de vérité, putain de merde. Oh la vache. Allez, frappe, frappe. Voilà, c'est bien. Encore. C'est faux, c'est un zombie qui est là-dedans. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. No. Miss, we're coming in. Allez, on rentre. Get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. J'ai une putain de drogué. You have a boyfriend? Len, I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me, please go. Ok, on s'en va. Viens avec nous, on trouvera de l'aide. Ok, we'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. Oh putain! You have a gun. Vas-y. So, can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Attends, moi je te tue avec ma hache. Please, I don't want to be one of them. Donne-lui. Tu ne peux pas avoir d'armes. We can't let you do that to yourself. Then do it for me. We need to get going. L'autre, on sait. Please. This is crazy. Please, step back. It's just 2 seconds, just one bullet, and I can be with my family, and it'll all be fine. Vas-y. Back up, please. Oh putain! Oh putain! Quelle personne est blessée parmi nos mecs à nous? Whoa, take it easy. We just want to help. You can't. Vas-y, tue-toi, s'il te plaît, tue-toi. Just relax now. Tue-toi. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Le problème, c'est que si on tire, ça va attirer tout le meute. Oh merde! Oh, dégueulasse bordel! Let's get out of here. Ça va attirer tous les zombies, mais bien évidemment! Eh! Here they come.
Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and... Well, yeah. We're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Ok, on va chercher des médicaments dans la pharmacie. Oh, bordel. Bon, alors la pharmacie, elle est où? En fait, il faut s'en foutre de parler aux gens, c'est ça le truc. Le truc, c'est qu'on s'en bat les couilles. Attends, il faut lui donner de la manger. Il y a toujours des barres de céréales qui apparaissent, voilà. Elle avait dit qu'elle avait faim. Les autres, on s'en fout. Thank you. Of course. Vous avez pris soin de Clémentine, elle s'en souviendra. Lui, il est choqué. Lui. Tu m'as vu dégueuler. J'ai plus confiance en toi. You know. Retour à Modena. Tu connais la combinaison du cadenas dehors. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know. I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. D'accord, il vaut mieux le casser si tu dois le faire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I forget it, man. That's your business. Okay. On va faire blablabla. Retour au moteur. Back the motor in. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. But that's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. I guess you really wanted that gun. Seems like. Why didn't you tell Carly to just give it to her? Les gens ne doivent pas encore abandonner. Ça a gâché une balle. Would you have given it to her? No way. Then you know why. Eh oui. L'autre, elle était sur le point de devenir un zombie, on va pas lui donner une arme non plus. On sait pas ce qu'elle aurait pu faire avec. Bon, enfin bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une hache. Bon, maintenant, il faut parler à tout le monde. Cette histoire, c'est l'histoire du sec, hein. Tu te débrouilles bien. Sur quoi tu travailles? Sur quoi travailles-tu? A radio. I can't get it to work, though. Here, let me have a look. Nothing. Je pense qu'elle a déjà essayé, mon gars. Nothing. Qu'est-ce que ça fait si j'appuie là-dessus? D'accord, je la retourne. Là, il va manquer des piles. Oh! There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find some. Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Ça me fait délirer, l'autre allié dessus depuis qu'on est arrivé. Et elle a pas pigé qu'il fallait deux piles. Eux, j'ai même pas envie de leur parler, ça me fait chier. Bon, là, y'a que ça. Bon, ça, j'ai pas envie de regarder. Je m'en bats les couilles. Bon, il faudrait trouver une clé, mais on l'a pas. Si, la clé, c'est l'autre qu'il a là-bas dans la rue, putain. Il y a quoi là-dedans? Boîte de nourriture, mais il n'y a plus de nourriture. Ça, on l'a déjà regardé. Ça, c'est naze. Si, c'est quoi ça? Voilà, le motel, et da. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Putain, qu'est-ce que je dois faire? Ah, la télécommande, mais oui! Oh, fais chier! Putain, vas-y! Le Tokiwaki! Le Tokiwaki, il faut les piles du Tokiwaki! Hein, je sais que je suis pas. Hein, on devrait apprendre à se connaître, mais putain! Mm-hmm. C'est qui qui a le deuxième Tokiwaki? Tu l'as toi le deuxième Tokiwaki? Vas-y.
You alright, Lee? I'm okay. Thanks. Putain, d'accord, ok. Il me donnera rien. Quel enfoiré. Bon, si je parle à elle. How's he doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. Attends, on retourne sur une discussion. Oh la vache, mais... Oh, attends, on peut même pas le passer, ça. Ah, oh, mais c'est naze. It's hard enough to be in charge of people's lives without some dick cutting you down. And that violence before with my dad, that didn't help. Oui, mais il aurait fait quand même sa crise cardiaque. I'm gonna get back to him now. Bon, on va essayer d'aller voir là-dedans. Il y a forcément des piles quelque part. Un truc avec des piles, pour les soins. Avec la hache, et oui. On n'a pas les clés. Mais on a la hache. Non, vas-y, me dis pas que ça se casse pas. Ça y est. Oh, fais chier. Ah, je sais. Avec la hache, on va péter le cadenas. Et on va pouvoir aller chercher les clés. Et on va pouvoir aller chercher les clés sur le zombie. Qui va nous permettre d'aller dans cette pièce, trouver des piles pour trouver pour ramener à la gonzesse, et je pense que ça sera bon. Attends, on avance vraiment lentement dans le jeu, mais c'est moi qui suis putain, faut vraiment penser à tout en fait. Ouais, on va jeter un œil dehors. Ok, d'accord. Alors, comment on peut distraire ces merdes? Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. D'accord. Il faudrait péter les. Man, that's a hasty fortification job over there. Yeah, bon, didn't work. Il faut ouvrir. Ah, là, ça, le pavé. Il faut le jeter sur la vitre. Ah. Super. Be careful. Keep an eye out, will you? Vas-y, tue-le, tue-le. L'autre qui gueule au milieu de la rue, mais qui est pété. Je suis désolé de ne pas avoir été là, je n'aurais pas dû partir. Je dois t'abattre maintenant. Allez. On n'est pas là pour enfiler des perles. Oh, bordel de Dieu, tu vas avoir... Oh, tes couilles à deux mains. C'est ça qu'on veut. Ce n'est plus ton frère. Oui, c'était évident, tu l'as pas tapé assez fort. Allez, faut que la tête faut que la tête soit coupée, hein. Allez, encore une fois. Encore. Encore, c'est pas fini là. Voilà. Faut que ça aille dans le crâne. Salut mon pote.
Après, quand on commence à comprendre un petit peu le mécanisme du jeu, ça va mieux. There we go. Oh merde, ben oui. Ben oui, mais c'est toi qui gueule aussi, c'est toi qui as tout attiré les zombies. Allez. Oui, cours, 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 cours. Non mais là, les zombies vont réussir à ouvrir le grillage. Qu'est-ce que vous avez fait, vont dire ça. Mais bien sûr que je suis génial. Allez, c'est parti, on y va. À mon avis, elle est droguée, elle aussi. Quoi? Ils vont nous faire jouer. J'aime pas jouer dans la précipitation. Elle a une tournevis plantée dans le dos, elle. Vas-y, ta gueule, on s'en fout de ça. La ferme, Doug. Il faut que tu saches que j'aurais bien aimé baiser avec toi. Là. Encore, encore. Oui, la canne de grand-père. La canne de grand-père. Allez! Allez! Ah! Allez, allez, va y arriver! Nickel! C'est la canne de grand-père! Allez, tire une munition! Oh merde, fais chier! Là, il va falloir que je fasse un choix entre ce PD et la gonzesse. Bon, voilà. Moi je préfère je préfère elle parce que bon elle tue pas mal de zombies quand même. Oh non 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 non. Alors là c'est pas ça c'est pas possible par contre. Le allez prends le. Mais ils marchent pas les boutons. Je comprends pas.
Oh non, mais pas d'ici, mais peut-être, c'est pas un jeu. Allez, on peut pas passer cette cinématique. Oh non, mais vas-y, me dis pas que. Mais putain, mais pourquoi ça marche pas? Il me dit courez, mais vas-y, j'ai couru là. Allez, c'est parti. Mais bordel de merde, vas-y, mais tu vas marcher, espèce de sourire à la con. Que je suis enceinte de toi. Bah vas-y, ne regarde pas, va les tuer. Ouais, l'autre fumier m'a pris ma hache. Mais non, ça fait 2 secondes que je suis parti. Ah. Allez, je vais réussir la. Hop là, c'est bon. Tac. Ça c'est fait. Voilà, il y a toujours un choix de merde à faire. Donc là, on va quand même choisir toujours la fifille. Parce qu'elle est efficace avec son flingue, elle tire très très bien. Alors que l'autre, il gueule dans la rue. Bon, par contre, il a un t-shirt avec un ours polaire dessus, donc... du coup, le choix est difficile. Mais bon, on va quand même... Au revoir, mec. Allez, on y va. Oh, fais chier. Allez, là, faut que j'y arrive. Ah, c'est bon. Oh le bâtard! Alors lui, je veux qu'il meure. Oh! Oh putain! Oh! L'autre, il a fait le PD! La gonzesse qui parle en vert et le mec qui parle en rouge, il faut qu'il meure. On va tout faire pour qu'il crève.
Bon, écoutez, je vais arrêter cette deuxième partie ici. Je pense que je commence à comprendre un petit peu les mécaniques du jeu, etc. Comment faire pour bien avancer rapidement dans l'aventure. Donc, j'espère que dans la troisième partie, il y aura encore aussi un petit peu d'action et de zombies à tuer, parce que j'adore en fait les phases, en fait c'est comme ça, les phases avec des choix, les zombies qui arrivent et tout, qui tuent, enfin c'est cool je trouve. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour la troisième partie. Allez, ciao tout le monde.